Bonjour à tous et bienvenue au ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un autre sample manager, on va parler de celui de chez ADSR. Donc il s'appelle tout simplement Sample Manager. Il va être un petit peu différent de celui de Loop Cloud, mais ils peuvent être complémentaires. Alors on va avoir moins de possibilités d'édition, mais par contre, il a un fonctionnement totalement différent. Donc déjà, il faudra aller pour vous sur le site d'ADSR pour le télécharger. Il est entièrement gratuit, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que vous l'avez récupéré, téléchargé, vous l'installez comme si c'était un VST traditionnel. Ensuite, une fois qu'il est installé, vous allez ici dans le petit onglet dossier et vous allez ajouter les dossiers dans lesquels vous avez vos samples. Donc moi j'en ai mis quelques-uns. Une fois que vous avez ajouté vos dossiers, il va commencer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur et à intégrer tous les tags. Alors au début, tout n'est pas parfait dans le sens où il peut confondre les loops, certaines boucles entre les loops et les one shot. Il peut manquer des tags, mais tout ça, on peut les rajouter par la suite et régler tout ça par la suite. Donc, une fois que vous avez ajouté vos librairies et que les calculs sont faits, ben ensuite, c'est comme un moteur de recherche. Si vous cherchez des kicks, vous tapez tout simplement kick, hop, et il va vous sortir tous les kicks que vous avez sur votre disque dur. Ici, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez trouver des boucles ou des one-shot. Donc, il suffit de cliquer sur l'icône. Voilà, donc là, il m'a sorti toutes les boucles. Et là, il m'a sorti tous les one-shot. Alors après, quand je vous disais qu'il fonctionne différemment, c'est que là, l'ADSR, lui, va fonctionner un peu comme un sampleur. C'est-à-dire que soit vous sélectionnez un sample, vous le prenez, vous pouvez le glisser direct dans la fenêtre. Donc ça peut être pratique. Ou alors directement à partir de votre surface de contrôle MIDI. Vous pouvez déclencher des événements MIDI comme si c'était un sampleur traditionnel. Alors après, vous avez différents modes de jeu. Par exemple, là, si on prend des one shot et qu'on les déclenche en MIDI, il va falloir plus se mettre en full. Comme ça, à la fin du sample, ça s'arrête, puisque si je reste en loop, le son va se répéter en permanence. Après, on a différents modes de playback. Je peux lire en reverse. Je peux synchroniser. Je peux lire dans les deux sens aussi. Ensuite, je peux synchroniser le VST avec l'ado, ce qui veut dire que quand je vais prendre une boucle, je vais choisir un autre sample qui parle un peu plus. Ça va suivre le tempo. Et puis voilà, donc après on peut déterminer
la clé du sample. Enfin, quand vous prenez un sample d'instrument, là j'ai pas mal de trucs de batterie, mais si vous prenez un sample d'instrument et que vous avez des indications, vous pouvez les rajouter en faisant un petit plus ici, vous rajoutez ce que vous avez envie pour affiner le tag et donc pour retrouver vos samples plus facilement au fur et à mesure de l'utilisation, ce qui va vous permettre à terme d'avoir une librairie vraiment très bien rangée. Maintenant, au niveau fonctionnement, ben, on va se faire. On va chercher des hi-hats par exemple. One shot. Si je prends celui-ci, donc après pareil, je peux jouer sur le début et la fin du sample, et ensuite ça fonctionne comme un sampler, c'est-à-dire que là j'ai mis mes locators, je vais mettre mon prédécompte, hop, quantisation. Là maintenant, je vais prendre une snare. Alors pareil, au niveau des samples, il va vous mettre le sample sur l'intégralité du clavier comme les sampleurs à l'ancienne. Donc après, vous pouvez choisir la tonalité qui vous paraît le mieux. Vous pouvez mettre aussi des petits cœurs pour créer des favoris.
Ensuite, ça se traite exactement comme n'importe quel VST. Chercher une petite boucle, hop, j'enlève les one shot, je mets la boucle. Donc après, vous aurez compris le système, hein. Une bibliothèque de samples. Ici, vous avez tous les types d'instruments qui ont pu être répertoriés par ordre alphabétique. Soit vous tapez un mot-clé en haut, ou alors vous choisissez directement ici un nom. Laser, les gâteaux, Lofi, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et ça va vous permettre de retrouver vos samples. Et ensuite, ça fonctionne exactement comme un sampleur. Donc après, c'est pareil. Si par exemple, la boucle que vous avez fait vous plaît, vous n'avez plus qu'à bouncer en place, enfin dans Reason en tout cas, hop. Et voilà, maintenant je me retrouve avec... Donc voilà pour cette petite présentation du sample manager d'ADSR. Je pense qu'il peut être complémentaire avec Loop Cloud. Donc le mieux, ce serait d'avoir les deux, et les fonctions de l'un complémentent les fonctions de l'autre, ce qui peut vous faire un très bon combo entièrement gratuit pour pouvoir gérer tous vos samples. Donc lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur le Discord musique, le lien se trouve sous la vidéo dans la description, laissez vos commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut.